Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Pyro, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo et tout premier gameplay. Non, second gameplay, pardon. La première était sur Akif Star Alpha Supreme, j'avais zappé. Sur Monster Hunter Portable Sword. Oh mon dieu. Cette intro. Cette intro du respect. Donc, aujourd'hui, ben, je vais tester un petit peu le matériel, on va voir un petit peu ce que ça donne, etc. etc. Donc mon visage est un peu dans le noir, je le vois. Ouais, ça doit être un petit peu mieux avec la petite lumière. Voilà, nickel. Je fais les paramétrages en pleine vidéo, j'en ai rien à faire. Et puis ben voilà. Donc je me retrouve avec une manette achetée à 2 € chez Carrefour, comme vous pouvez le voir, absolument magnifique, absolument sublime. Qui fonctionne qu'à moitié. Et puis ben pourtant je vais faire un gameplay, j'en ai rien à faire. Donc j'ai déjà une partie créée sur le jeu. Vous pouvez voir une armure complète en Glen Morant. C'est absolument irrespect, c'est génial, c'est tout ce que vous voulez. Donc, ben, allez. Donc, je vais faire quoi comme chasse? Alors faut savoir, j'ai pas débloqué la Cantor ni Lucanlos ni la Tréon. Bon, c'est en DLC, mais bon, j'ai pas trop niveau, pas en solo apparemment. En solo, ça m'a l'air plutôt infaisable. Donc, on va faire un autre petit monstre plutôt cool. Alors, on a quoi qui peut être pas trop mal? Non, ça, on va éviter. Voyons voir. Un truc pas trop mal. Un annihilateur ferait pas trop mal, mais bon. Ouais, j'en ai aucune idée en vrai. Amatsu, ça me. Pas trop. Ben, vous savez quoi? On va faire un petit. Il est où? Très bien si je le trouve en tout seul en fait. Je voulais faire un Zinogre. Ah bah voilà, et bah allez, Zinogre. Donc le Zinogre est le monstre emblématique de Monster Hunter Portable Sword, donc c'est l'opus auquel je joue actuellement. Il y a plusieurs différences par rapport aux autres images, donc c'est le Monster Hunter où est apparu le Zinogre, le Jamboros, l'Azeroth. Ainsi que l'Amatsu. Après, on a eu 2-3 espèces, enfin sous-espèces supplémentaires, du genre, il me semble, Pariote des Sables, il est apparu dans cet opus. Après, il y a eu quoi d'autre? Ben, il y a le village Yukumo, comme vous pouvez le voir. Et puis, vous avez vu, j'ai. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris un bain. Et puis, j'ai aussi. Une boisson assez particulière, donc en fait ce sont des comment on pourrait dire ça, des buffs comme la nourriture avant de partir en quête, quoi, quand vous mangez votre grosse assiette de viande et tout, sauf que là à la place c'est ça, voilà, c'est pas trop mal, ça fait une originalité. Donc voilà, donc on va être parti pour un petit vinaigre des familles. Le petit Zinogre en compagnie de deux chats en armure et arme Glen Morant, un peu comme moi. Donc j'ai pas mal fermé le Glen pour avoir cette armure. Il me semble qu'elle est aussi améliorée au maximum, mais bon, faudra que je me renseigne un petit peu dessus. Et puis voilà, donc on est sur l'île déserte, donc c'est en quelque sorte la première map de Monster Hunter 3, et si je me trompe pas. Donc vous allez entendre le magnifique thème du Lagiacrus, très court mais plutôt énergétique. Bon, il est là. On va tuer la Ludrof parce que les Ludrof sont des femelles, sauf le mâle qui est le Ludrof royal. Ah bah non, c'est vrai, c'est pas le thème du Lagiacrus qu'on entend, c'est le thème du Zinogre. Oh putain, quel idiot. Bon, on va essayer de se concentrer un petit peu parce que c'est pas le monstre le plus facile du jeu, c'est le monstre emblématique et puis il le mérite quand même, hein,
Alors, donc le vinaigre a comme point faible dans l'ordre suivant la tête, ensuite le dos et enfin, attention. Oh putain, le con. Et enfin pour finir, je sais plus, peut-être les pattes arrière, si je me rappelle bien. Bon, on va essayer de se concentrer un petit peu parce que là, je suis assez mal perdu pour le moment, je trouve. Alors, il est quasiment chargé, comme vous pouvez voir son dos. Bon, fait un peu de provoc. Putain, vinaigre. Faut pas se courir. Enfin, faut pas se leurrer plutôt. Bon, là, on va s'éloigner un petit peu parce que là, il va être pleinement chargé. Et c'est maintenant. Voilà. Donc là, quand il est pleinement chargé, faut se méfier, mais bon. C'est toujours mieux que quand on est énervé. Alors attention. J'ai cru qu'il allait m'avoir sur le dernier coup, mais finalement ça va. Ah punaise. Allez. Donc j'espère que la résolution vous plaît plutôt. Enfin, vous pouvez voir à la fois ma tête et tout. Enfin, et le jeu. Et puis, non, voilà. Bon, fléau foudre sévère, fait chier. Ok. La petite esquive. Bon, là, c'est bon, je suis reporté. Ah, peut-être que si, en fait. Ouais. Et voilà. Donc là, généralement, on a quand même pas mal de chances de mourir. Faire une deuxième fois, non. Bon, je vais essayer de me concentrer un petit peu parce que là, la situation est plutôt critique. Je crois que j'ai jamais fait autant de merde sur un vinaigre. Peut-être le fait d'être filmé qui fait ça. Qui fait. Ok, d'accord, je te provoque. Il fait ses petits combos, il est tranquille. Oh non, un Azeroth. Pas qu'il y en a un en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Oula, le petit lag. Enfin, j'ai eu un lag, j'espère qu'il sera pas dans la vidéo. Même si ça me semble plutôt évident que oui, il le sera. Pas de bol, mais ça arrive, c'est comme ça. Bon, allez, on va se concentrer. C'est ce que j'y ai à chaque fois, mais bon, généralement je le fais jamais. Comme il est vachement gros, film, alors. Hein. Mais. Oh mais ça arrête. Ah nickel. Là on va en profiter un petit peu. Ouais, il fonce vers moi et charge le tour. Ah bon? Charge quoi? Première fois que tu me fais ça. Et bah si tu veux. Et bah charge le tour maintenant. Oh mais il me touche pas là. Oh. Ah c'est horrible. Il va me toucher à tous les coups, voilà. Ouais, je suis étourdi, voilà. Ouais, très bien. Bon, il faudrait bien que j'ai. Il faudrait quand même pas mal que j'évite de crever là-haut. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, il fuit apparemment. Pleure bestio. Ouais, parce que c'est une bête à cornes. Enfin, wyvern à crocs. À cornes? À crocs? Wyvern à cornes ou wyvern à crocs? Je sais plus. Oh, il bouffe. Mec, t'as ton pète, mon gros. Il mange très rapidement, les gars. Là, regardez, il a de la fille de manger. Ouais, ben. Oh, mais non, mais t'es sérieux, toi? Punaise. Oh, mais c'est à 0, c'est du couac. Ouais, tiens, prends-toi ça. Oh, c'est à 0, c'est du couac absolu, quoi. Pas grand chose parce que j'essaye de me concentrer quoi. Mais bon, je vous assure, hein, en vrai je suis très ouvert à la communication, etc, etc, hein. En vrai, jure. Alors tu vas me faire comme vous. Ok, très bien. Allez, charge-toi. Voilà, très bien. Je vais le prendre. Voilà. Y a quoi d'autre à dire sur Vinogre? Ça fait blesser à glace. Il y a une sous-aspect qui s'appelle le silence ligien qui est apparu sur Monster Hunter 3 Ultimate. Celui-là est particulièrement gros, je trouve, hein, comme Vinogre. Moins que ce soit une taille normale. En tout cas, le dernier qui est cassé était plus petit que ça, je pense. Bon, ouais, il faut charger, j'ai compris. Hein. Après vous l'avez pas vu énervé là, il est normal, là. Tout va bien. Là il est prêt pour une petite balade, hein, ouais. N'inquiétez pas dessus. Quand il est énervé je vous dirai, normalement il y a son dos qui brille un petit peu plus que ça. Et c'est tout ouais. Ah bah voilà, il est énervé. Donc là, ce que je fais quand il est énervé, c'est qu'il attaque pas parce que c'est un coup, il va se faire tuer à chaque fois, quoi. Ouais, voilà. Surtout pour cette attaque-là, qui est incroyablement puissante. Pas de petit 3. J'attaque que quand j'ai des ouvertures, mais franchement, c'est... Bon bah, il s'en va, coup de bol, mais bon, je vous jure, c'est... Hein, c'est très difficile de le tuer, quand il... Enfin, de le toucher, moi, sans faire toucher, quand il est énervé. Ah, j'aurais dû sauter, j'aurais pas dû changer de tête. Bon, au moins il est pas énervé, vous avez vu. Le dos est redevenu un peu normal. Oh. Sur le côté, connard. Allez, vas-y. Voilà, tac, tac. Il est encore énervé apparemment.
Il est fier avec ça celui-là comme bien là, hein, franchement. Enfin, un peu chier d'utiliser méga potion, mais bon. Là, il va m'y forcer s'il continue comme ça. Voilà, on va s'éloigner. Voilà. Alors là, c'est au poil de cul, hein. Franchement. Combo là, c'est typiquement un sort que j'aime pas. Voilà, on s'éloigne. Ouais. Franchement, j'arrête de le taper quand il est énervé, parce que là, franchement, j'ai eu beaucoup de chance, mais je pense pas en avoir encore longtemps. Ah, c'est bon, les plus énervé. Là, on va essayer d'enlever ses charges. Aïe. Puis au foudre. Tout est une question d'endurance avec ce monstre, hein. C'est pas une question de réflexe, de force, etc, etc. Tout est une question d'endurance. Ah, il est affamé. On va pouvoir lui toucher un peu la tête. Et nickel, on lui a pété une corne. Alors... J'aurais pas dû me relever. Et comme bon. Ah oh ben. Bonne fois qu'un mec que c'est utile. Je vais pas m'en plaindre. Oh mais. Oh le con. Ah oh, ce chat. Ah oh, ce chat du la connerie. J'aurais pu utiliser un piège à faux, ça aurait été un peu plus utile qu'un piège à choc, hein, contre lui. Et parce qu'en fait les pièges à choc permettent de charger. Pour les personnes qui l'ignorent. Désolé. J'espère que ça va pas faire un bruit trop dégueu au micro, même si je me doute que si. Alors, oh punaise, il y a plutôt autant de bouffer. Bon bah, tant pis. Bon, stamina récupéré, on est reparti pour un combat sérieux. J'avais moins galéré contre le dernier. Oh putain, enfin. Le dernier finog en fait, bon. Mais comme les humains, ils n'êtes pas tous égaux. Ouais, j'ai pété la patte droite apparemment, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, droite de mon côté, gauche pour lui. Hein. C'est un peu à galère, hein, peu long, comment on est tourné, ça change. Phrase de Perceval dans Camelot. Enfin, réplique de Perceval dans Camelot. Cette connerie de gauche et droite là. Attention. Alors je vise la queue, mais je vais pas non plus la couper. Hein. Ne trompez pas. Alors, je me rappelle. J'ai cru qu'il était affamé. Enfin, ça m'aurait plu qu'il soit affamé, mais bon. Bon, j'ai pété deux parties en tout. Ça va, je commence à un peu mieux gérer qu'au début de la chasse. Alors, comme partie cassable chez une ogre, on trouve la tête deux fois. Enfin, la tête, c'est plutôt les cornes qu'on casse. Mais... À partir du moment où on touche la tête, voilà quoi. Donc on peut lui casser deux fois la tête. Attention, on s'éloigne. Ok. On peut lui casser une fois le dos, on peut lui couper la queue et on peut lui casser les pattes avant. Hmm.
Alors, je sais qu'il y a un timing bien précis à avoir sur cette attaque, mais... Enfin, sur un timing bien précis, je sais qu'on peut esquiver son petit tacle d'un côté. 2 et 3. Oh non, elle a 0. Je vais tirer deux points en même temps. Oh non, il se barre là. Oh putain. J'espère que les deux autres se barrent pas au même endroit. Thème de la Zeros qui est horrible, je trouve. Enfin, j'aime pas de toute façon ces petits thèmes là. Celle que j'aime, c'est le grand maquillage. Alors on fait gaffe parce que quand il est énervé, enfin quand il est pas énervé mais bon, quand il est chargé, il crie totalement. Bon, là aussi il va crier au pire. Donc le Uldrof, on va pas s'en soucier pour le moment. On va s'en soucier. Voilà. Donc là il a fait... sa petite décharge, hein, je dirais. Je sais même le taper, en fait. Le quotidien, comment dire. Quand il fait cette attaque, là, quand il fait son petit saut écrasé et tout, il fait un coup de queue juste après, donc du coup... Ça donne pas très envie de frapper un vinaigre en fait. Un vinaigre. Comme ça par terre. Bon. Voilà. Je suis dans la merde. C'est bon. Ah, j'ai plus une arme. Je peux le retaper. Juste après ça. Oh punaise. Il m'a bloqué. C'est pas ma faute, monsieur agent, qui m'a bloqué. Bon, yes. Je vous jure, j'ai pas évasion. Hein. Vous avez vu, j'ai pas évasion. J'en chie. Je cache pas que j'en chie quand même un peu là. 2, 3. Alors ça c'était beau par contre. T'as des actions comme ça là, ça fait toujours plaisir. Surtout contre des monstres auxquels on galère, ça fait un peu plus épique comme ambiance. Alors, je vais te faire quoi? Attention. Putain. À chaque attaque. Enfin, chaque fois que tu fais cette attaque, je me la prends quoi. D'habitude, je me la prends pas, mais là, je sais pas, aujourd'hui c'est différent. Ouais. Aujourd'hui, je sais dit, tiens, je vais le faire chier. Donc, on voyait un monstre un peu plus intelligent que les autres. Un peu mieux gérer ses moves. Alors, c'est bon, il est au niveau 1 de charge sur 3. J'ai pété la deuxième patte, donc il manque plus que le dos et la queue à lui casser. Oh, un peu moyen là.
On va le laisser charger. Voilà. Bon. Il charge plus rapidement. Ça veut dire que on est à moins 50% de sa vie. Bon signe, vas-y. Bon, là je crois qu'on est à moins 30% de sa vie. Donc, pas trop mal. Ça veut dire que le combat va peut-être bientôt se terminer. Le skill d'un pyro. Putain. Ah putain, j'avais pas fait gaffe qu'il était énervé. Ah. Ok. Très bien. Bon bah, du coup, j'ai évité de trop te taper. Hein. Là, je peux te taper, mais bon, deux coups et puis on se casse. Attention. Bon, là, vraiment attention. Voilà. Alors, j'espère que mes féines vont se rendre un peu plus utiles parce que, sans les connaître, ouais, on va pas faire de la merde, ils peuvent pas faire grand chose d'autre. C'est bon, il est plus énervé. Ah bah voilà, enfin j'ai réussi à esquiver. Bon, là par contre j'ai pas réussi à esquiver. Bon, on va faire quoi? Ça me fait chier d'utiliser méga potion, donc du coup, ben, téléportogène. Toujours plus. Bon, je prends la carte, mais bon, ouais, voilà, quoi, je la connais là. Alors, flash, pourquoi pas. Dominer l'histoire, toujours ça de prime. Fédération. Allez, costaud Zina quand même, hein, faut l'avouer. Oh non, mais non, je pouvais pas prendre ça. Oh, c'est pas grave, hein. On fait avec. Par contre, on en terre. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça se retrouve à côté des rations. On va prendre que ces 4 de clés maintenant. Ou encore équiper jusqu'à avoir un tranchant bleu. Très sympathique. Alors normalement je dois utiliser une arme de glace, je suis au courant, c'est bon. Mais j'utilise une arme de dragon parce que elle fait plus de dégâts et parce que voilà, quoi, j'ai pas envie de farmer les vinogres et trucs que dans le genre. J'ai pas envie de farmer les mobs. Je suis sur ce jeu seulement pour me faire plaisir et puis voilà. J'avais comme objectif de buter un Amatsu, c'est ce que je suis arrivé à faire. Et je demande rien de plus. Bon allez, claque, prends pas. Oh le con. Bon, quand il s'énerve facilement comme ça, ça peut dire qu'on a tout gagné. Tu vas bientôt crever. Faudrait-il pas trop crever avant? Je pense qu'on va attendre qu'il soit un peu déchargé, quoi. Quand il n'y a plus trop de foudre insecte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aïe, voilà, et cette attaque, je vous jure, c'est un calvaire. Ok, écoute, je vais me la prendre.
va jamais boiter, mon ami. Enfin, c'est pas mon ami, mais bon. Ouais, bon, je comprends. Ça lui en est un petit peu. Une attaque qui est magnifique d'ailleurs. Des meilleures attaques du jeu. Avec le triple rayon de la matrice. Enfin bref. Là, je m'écarte sur un sujet compliqué. Ah, oh putain, attention au combo. Je suis étourdi. Ouais, ouais. Oh punaise, il boite même pas. Compliqué la vie de chasseur. Compliqué, compliqué, compliqué. On va peut-être lui prendre 2-3 pièges, hein. Ça ira d'être plus mal la prochaine fois, mais bon. Ok, non mais tout va bien, hein. Mais je vais pas me faire toucher tout le temps. Ah, le vinaigre est vraiment cool comme monstre. Hein. Un des meilleurs mobs de la liste enfin. Ah, ça c'est bon ça. Ah, il va boiter. Nickel. Enfin. Bon allez, vous avez... vous voulez voir un rect de Sinog ou pas? Ben c'est ce que je vais vous offrir. Enfin, bon, il va mériter ce qu'il doit, au moins, c'est pas trop mal. Alors. Oh putain. Bien évidemment, toi t'es là. Hop. Tac. Ouais, je m'extase devant un pic. Ouais, bien évidemment. Alors, bon. Oh punaise, j'avais pas vu. J'aurais dû y penser. Alors. Allez, viens par là, mon grand. Une surprise pour toi. Cette surprise s'appelle Bomb Flash. Je sais pas si tu le connais. C'est assez connu chez les chasseurs. T'as pas aimé. Eh ben nickel, l'a pas du tout aimé. Allez, magnifique vinaigre tant de plus. Allez hop, S. Une cuirasse, on espère. Alors espérez avec moi pour avoir une magnifique jaspe de vinaigre. Un objet que j'ai pas encore et que qu'il me faudrait. Donc non, c'est pas la pierre foudre, c'est la magnifique jaspe qu'il me faudrait. Alors, allez, ma vie. Il nous en aura fait baver, lui, hein. Attends. Tiens, prends ça. Mange mon pied. Vas-y, allez, mange. Il a pas l'air d'aimer bien ça, quand même. Allez. C'est ça qui est bon. Bon. J'espère que l'enregistrement sera quand même de qualité, parce que de mon côté, j'ai eu quand même 2-3... petit souci de 3 soucis techniques, hein, en tournant cette vidéo, que j'espère qu'il n'y en aura pas pendant cet enregistrement. Et puis ben voilà, donc on va espérer avoir la petite jaspe, on va voir. Et oula, et non, pas de jaspe, tant pis. C'est pas grave, je suis un peu déçu au fond de moi-même, mais bon,
Voilà. Regardez, j'ai la petite larme là. Allez, hop. Bon, 29 minutes pour tuer. Un peu long qu'à tous les que je vous livre. Ben voilà. Donc, fin de la partie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, etc. etc. Sinon, sachez que pour être au courant de des let's play que je vais faire, etc. etc. Vous pouvez consulter mon petit Twitter qui est là. Voilà. Là, regardez. Là, sur le côté de l'écran, là. Regardez, je mets ma main dessus, là. Voilà, je le touche. Et puis ben voilà, donc c'est à peu près tout. Donc je vous dis ciao, à la prochaine, et puis ben des bisous, à plus.